Donc, Air ouverte, c'est un service intégré pour la jeunesse. On couvre les jeunes de 12 à 25 ans du secteur Jonquière et les environs. Ça veut dire Bégin, Saint-Charles-de-Bourget, donc tout ce qui est un petit peu plus loin du centre-ville. Donc, on offre des services en psychosociaux généraux. Donc, on parle de tout ce qui est services pour la santé mentale en tant que telle, donc l'estime de soi, tout ce qui est par rapport à... aux relations amoureuses, les relations en général. On a un service, on a un service spécifique en sexologie. Donc, on a la seule sexologue au Saguenay-Lac-Saint-Jean du CIUS, donc, qui offre des services qui ont tout rapport en sexologie. Donc, que ce soit en relation spécifique, en relation santé sexuelle ou même relation amoureuse, estime de soi et tout ça. Et on a le service infirmière clinicienne. Donc, on offre le dépistage en ITSS, la contraception, on a aussi l'arrêt vapotage. Donc, c'est un peu les services, qu'est-ce qu'on a. Sur place, on a pour l'instant 6 intervenants. Donc, on a des travailleurs sociaux, on a des psychoéducateurs, une éducatrice, on a aussi, bien sûr, la sexologue. Donc, c'est un service multidisciplinaire, on travaille tout en équipe, donc c'est notre force. On est centré sur les jeunes, donc on travaille pour les jeunes et avec les jeunes, parce que Air ouverte, à la base, c'est une co-construction. Donc, il fallait construire Air ouverte, les besoins, les services, même les intervenants ont été choisis par les jeunes avec un comité de jeunes à la base. On avait un comité de proches aussi, donc proches et les familles qui pouvaient nommer aussi leurs besoins. Et on avait aussi, bien sûr, un comité avec le communautaire, parce que c'est super important. On travaille en collaboration avec le communautaire. Donc, on ne veut pas dédoubler les services, mais on veut vraiment travailler en collaboration et non en silo. Donc, c'est un peu le fonctionnement d'Air ouverte. Air ouverte aussi, c'est sans attente. Donc, on ne veut pas avoir de liste d'attente. On fait du court terme, donc 5 rencontres en général. On va référer aussi au bon endroit. Fait qu'on dit que Air ouverte, c'est toujours la bonne porte où se présenter. On est un safe space, donc c'est super important pour les jeunes. On a beaucoup la communauté LGBTQ qui viennent aussi pour divers services.